notre chaîne pour ne rien rater de l'actualité de la République démocratique du Congo. Et vous qui êtes déjà abonnés mais qui ne recevez pas les notifications de nos différentes émissions, veillez à aller cliquer sur la petite cloche de notification pour pouvoir bien évidemment recevoir toutes les notifications de chaque vidéo qui sera postée sur Leonjo Leo. Comme je le disais tantôt, nous parlons République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous le savez, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, autrement dit la loi Lutundula, a été votée à l'Assemblée nationale. C'était le vendredi dernier et de surcroît, la coalition Lamuka, pourquoi pas le coordonnateur, je ne sais pas si c'est le coordonnateur, lui c'est le coordonnateur, ou c'est Moïse Katumbi, mais Adolphe Mouzidou, qui se dit aussi coordonnateur de la coalition Lamuka, a tenu un point de presse pour rectifier un tout petit peu, fustiger cette loi votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Pour en parler, aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un communicateur de Nouvel Élan, le parti d'Adolphe Mouzidou. Il s'appelle Bruno Mimbenga. Il aime aussi qu'on puisse l'appeler Petit Mouzidou. Bruno Mimbenga, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et puis, à cette même occasion, je profite à saluer toute l'équipe de votre chaîne qui bienvenue. Ça vous va d'être appelé Petit Mouzidou? Oui, ça me va d'être appelé Petit Mouzidou. Est-ce que... Vous savez, monsieur, c'est une référence en RDC. Donc, une fois que nous, les jeunes, sommes à ses côtés, nous sommes suffisamment inculqués du mouzidisme en lui. Voilà. Est-ce que, d'abord, dites-nous, pourquoi est-ce que vous souhaitez être appelé Petit Mouzidou? Bon, ce charisme est là qui porte mon leader Adolphe Mouzidou. Donc Mouzidou, à part qu'il est président du parti, mais il a une vision pour la République. Et puis on l'appelle souvent le visionnaire de la République. Donc le seul visionnaire dans la République nous reste, c'est Adolphe Mouzidou. Comme il est le grand, et puis moi je souhaite être petit parce que je ne peux pas être au même niveau que mon leader. Voilà, donc lui c'est le grand des grands. Moi, maintenant, c'est le Petit Mouzidou, le prénom Mimbenga. Donc, tout ce que vous voyez à moi, ça reflète l'image du gras d'Adolphe Mouzidou. Est-ce que vous avez la carrure, je peux dire, d'être considéré comme un Petit Mouzidou? Bien sûr, évidemment. Donc, je vous ai dit. Donc, tout ce que vous voyez à Mouzidou, donc le Petit Mouzidou aussi mérite d'avoir cette carrure-là, d'être appelé partout, les représentants, les soldats, les défenseurs de... Voilà, Bruno Mimbenga, tout au long de cette émission, nous allons parler de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. On a suivi Christophe Lutundula proposer une loi pour modifier la loi portant, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Cette loi avait été votée à l'Assemblée nationale, pas comme l'initiateur Christophe Lutundula l'avait voulu. Il y a eu quand même certaines modifications. Dites-nous un peu, quelle analyse faites-vous après avoir appris que cette loi avait été votée au niveau de l'Assemblée nationale? Bon, merci, monsieur Joël. Nous, Nouvel Élan, nous, la mort, nous avons fustigé la manière dont les représentants du peuple ont tenté de faire leur travail parce que ce n'est pas de cette manière-là que les choses doivent se passer en catimini. Donc, ils veulent mettre le peuple à côté pour leurs petits intérêts. Donc, nous, Nouvel Élan, nous avons d'ailleurs proposé auparavant les réformes de la CENI. Parce que nous voulons que non, les prochaines élections, ou les élections qui viendront, soient, que ça se passe dans de très bonnes conditions. Mais ce qui se passe de chez nous maintenant, là, ça montre combien déjà M. Félix veut prendre... l'Assemblée nationale, il a déjà d'ailleurs pris parce que nous avons vu comment est-ce que les députés ont été monnayés et aujourd'hui là il continue toujours à emboîter les pas de son maître Joseph Kabila. Donc la manière dont nous élus ont pu faire ce travail, ce n'était pas appréciable par rapport devant la population congolaise et devant l'opinion publique nationale qui est internationale. Raison pour laquelle nous disons que
cette loi-là, le peuple qui est souverain ne laissera rien parce que nous avons vu en 2016, si je ne me trompe pas, comment cette fameuse loi avait voulu prendre de l'ampleur, mais la population qui s'était mise debout, et puis cette loi n'avait pas été votée au Sénat. Aujourd'hui, là, les mêmes choses veulent encore se répéter. Donc, raison pour laquelle nous, l'ensemble de la MUCA, le coordonnateur Adolphe Mongito, qui est maintenant le représentant de la MUCA, avait tenu un point de conférence, pour les presse. Nous allons y revenir d'ailleurs. Nous allons y revenir. Voilà. Vous avez dit donc, tantôt. Concernant la loi de l'honorable Lutundu, ça oui. N'était pas bien passé parce que la façon dont nos élus ont pu faire ça, c'est comme s'ils ont voulu écarter la population congolaise. Comment ça? Comment ils ont voulu? Ils veulent se faire une cénite taillée de leur mesure. Parce que nous avons vu Joseph Kabila oser faire l'aventure, mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Mais s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous fait dire que cette loi-là est en train d'être taillée sur mesure par Félix Tshisekedi? Parce que vous affirmez quand même des choses qui paraissent graves. Mais monsieur Joël, vous avez vu, monsieur Félix a pris la Cour constitutionnelle. À violation de nous sommes en train de parler de la loi. Je vous fais maintenant voir comment est-ce que cette loi-là est prise en otage par M. Tshilombo, qui ne fait absolument rien. Donc la loi-là, ce sera juste pour faciliter encore un coup d'État électoral aux chances des élections. De quelle manière va-t-elle aujourd'hui là, cautionner un coup d'État électoral? La personne ou bien la société fabriquée, la société civile fabriquée par M. Tshilombo, qui à tout prix sera pris en otage par M. Félix, vous croyez réellement que non, cette présidence-là aura toutefois fait être indépendante? Félix a, donc, a fabriqué, pouvoir... s'il vous plaît, Félix a fabriqué une société civile. À lui, parce que ce n'est pas ça l'indépendance. Comment? Parce que cette société quelle civile, est cette société ça civile? Ne reflète pas l'image de mais la société civile. Quelle est cette société civile fabriquée par Félix Tshisekedi? Parce que moi, personnellement, je ne connais pas une société civile qui est née après l'élection de Félix Tshisekedi. Monsieur Joël, moi, je vous confirme que non, la présidente de la CENI, parce qu'elle est attribuée par la société civile, mais je vous confirme que non, cette société civile est fabriquée de toutes pièces par M. Tshilombo, et ce n'est pas une société civile qui reflète l'image des nos des prélats, enfin, des prélats catholiques. Donc, protestants. En quelque sorte, cette vous voulez dire que... en quelque instrumentalisée, d'où nous demanderions aux gens qui sont là de se retirer de cette simple aventure parce que ça ne va pas... En quelque sorte, vous voulez dire que les prêtres, les pasteurs, des LCC, d'autres confessions religieuses sont devenus les éléments manipulés par Félix Tshisekedi. Non, c'est parce que moi je vous ai dit que les prêtres... Mais quand vous parlez de la société civile qui va civile, donner... Cette société civile, M. Diarra, qu'on se fait confondre, cette société civile, c'est une fabrication de toutes pièces de M. Tshilombo et Joseph Kabila, qui, après le mariage entre l'Union... Mais vous savez que ce sont les confessions religieuses qui donnent le président de la CENI. Les catholiques ne sont pas de cette aventure et l'Église protestante, si je peux dire. Donc, cette aventure que M. Tshilombo veut blaguer avec la population congolaise ne va pas lieu parce qu'aujourd'hui, là, si vous regardez comment est-ce qu'ils se sont répartis les attributions, vous allez voir que non, la présidence est occupée par la société civile et puis, première place, la première vice-présidente du Sénat de la CENI est occupée par l'UDPS et puis... On parle la majorité. Je vous confirme, M. Par la majorité. Je suis très sérieux que la première place est occupée par l'UDPS et puis l'opposition est attribuée par l'EPCC qui la loi ne parle pas. La loi ne parle pas de l'UDPS. La loi a bien dit la première vice-présidence par la majorité au pouvoir. La deuxième vice-présidence par l'opposition. Donc vous, n'étant pas de l'opposition, se réclamant résistant, on reste avec une seule opposition au sein de l'Assemblée nationale, raison, qui est le FCC. Raison pour c'est laquelle, clair. Monsieur Joël, je vous dis que non, c'est une fabrication de toutes pièces, parce que si vous avez regardé bien cette répartition, ça ne ressemble à rien à ce que le Tounou l'avait proposé. Et à ce que nous avons d'ailleurs demandé les réformes de la CENI. Donc nous voulions que non, la CENI soit dépolitisée. Parce que cette CENI, mais quelle différence y a-t-il entre ce que vous avez demandé? Il y a une différence parce que cette CENI... Cette réforme électorale que vous avez demandé. Notre réforme, nous voulions que non, que les vérités des urnes, après les élections,
que la CENI puisse jouir de toute son indépendance. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, la CENI qui émane de M. Tshilombo et son frère jumeau, Joseph Kabila, n'aboutira absolument à rien. Parce que si réellement que cette CENI a été dépolitisée, on n'allait pas avoir ce genre de bêtises. Parce que l'UDPS, c'est comme s'ils ont fait des partages de gâteaux. Nous avons vu au ministère, aux entreprises publiques, aujourd'hui, là, la même aventure. Mais vous avez voulu que vous... Pour laquelle nous mettons vous également, vous faites... M. Tshilombo. Nous mettons à garde M. Tshilombo et l'UDPS parce que devant M. Tshilombo, il se comporte, pour un petit dire, comme étant un dictateur, mais devant un dictateur, M. Joël Diawa, on ne négocie pas avec un Bruno dictateur, Mimbenga. On le met dans l'état des nuls. Ça veut dire que non, la population congolaise va se débarrasser de M. Tshilombo parce que ce que... Par quel mécanisme? Mais la Constitution prévoit tout par le moyen de la... En 2023, il sera réélu président de la République. Là, c'est là où vous, mais moi, je vous dis que devant un dictateur, M. Joël Diawa... Mais Félix n'est pas un dictateur. On ne pourra pas négocier. Comment est-ce que vous pouvez qualifier Félix Tshisekedi de dictateur? Nous avons... Le président démocratiquement élu, vous le considérez comme un dictateur? Tout ce que Félix fait, c'est déjà de la dictature. Nous avons cru que non, dans le mal, quelque chose... Il fait quoi, par exemple? Mais à violation des textes, la CENI, qui on avait, entends-moi achever mes idées, M. Joël, nous avons cru que dans le mal, même dans le hold-up électoral que M. Tshilombo a fait, la population aurait dû trouver du pain quotidien, la population aurait trouvé de l'emploi, mais c'est par contre que non, c'est la galère, la misère qui revient du jour au jour. Alors, en voyant tout ça, c'est de la violation pure et simple. Étant, il se prend de gens le lait de miel, il se comporte comme un petit dieu. Alors, nous disons que non, c'est Tshilombo. Et si, et seulement si que cette loi, cette fameuse élection de la CENI pourrait toutefois passer au Sénat, M. Joël, je vous confirme ici que c'est la rue qui va parler et nous allons mettre tous ces députés dans l'état de nous, y compris M. Tshilombo avec son frère Joseph Kabila, qui veulent à tout prix rester la population congolaise demeurée dans la souffrance qui ne dit pas son nom. Bruno Mimbenga, est-ce que vous savez que dans tout ce qui se passe avec la proposition de loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, Félix Tshisekedi n'y est pour rien? Mais, monsieur Joël, nous sommes... Répondez-moi d'abord par affirmatif ou par négatif. Monsieur Tshilombo n'est pas pour rien, il connaît tout, parce que c'est lui qui est le maître au bord, c'est lui qui dirige, c'est lui qui coordonne tout. Mais vous savez que... Vous savez que la Constitution instaure la séparation de pouvoirs. Bien sûr, mais chez nous... Et l'Assemblée nationale étant un pouvoir exécutif... Nous voyons, monsieur Tshilombo, s'il veut faire quelque chose, appeler les élus du peuple, appeler les sénateurs. Donc, cette CENI nous promet, ne nous garantit absolument de rien. Donc, nous disons que non, c'est un coup d'État sur un coup d'État. Parce que nous avons vu un coup d'État qui s'est passé aux élections de 2018. La CENI n'a pu proclamer le vrai vainqueur. La CENI nous a donné ce que nous voyons. Mais la CENI nous a donné le vrai vainqueur qui était Félix Tshisekedi. Je ne pense pas que M. Tshilombo a été élu. Et il est conscient que non, la majorité des Congolais savent que même la famille biologique de M. Tshilombo savent que non, notre frère Tshilombo n'a été pas élu. Si pas, ce sont les accords. Mais vous, là, la Mouka, vous apportez des preuves. Mais nous avons apporté notre preuve. Et tant que la Constitution revenait à Joseph Kabila, et puis... Vous n'avez pas... On vous a appelé là-bas à la Cour constitutionnelle pour apporter des preuves. On a tous suivi à la télé que la Mouka n'a pas apporté des preuves. Je ne pense pas que... Nous, la Mouka, nous avons amené nos preuves. Vous allez croire que non, la CENCO, qui avait plusieurs représentants, peut se tromper. Je ne pense pas. Donc, vous comptiez sur la CENCO pour vous apporter des preuves, pendant que vous-même, vous n'avez pas de preuves. Monsieur Joël, on ne comptait pas si la CENCO... Donc, votre preuve, c'était la CENCO? On ne comptait pas si la CENCO, parce que nous, la Mouka, on était sûr de nous, parce que en voyant les statistiques, les sondages... Mais l'assurance ne dit absolument rien. Vous devez apporter des preuves. Mais on avait amené les on a tous suivi. Vous avez vu. On a tous suivi à la télé. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle...
Ça revient à M. Tshilombo. Et vous, et la Cour constitutionnelle passée, c'est-à-dire dans l'approche de Joseph Kabila, comment est-ce que vous croyez que non, une CENI manipulée, M. Nanga, qui a été entourée par le militaire bien armé, vous croyez que non, tout ça allait passer dans les bonnes conditions, dans les bonnes conditions, M. Joël? Donc nous, nouvel élan, nous, la Mouka, nous avons bel et bien gagné les élections, raison pour laquelle nous sommes dans la lutte des vérités des urnes, si pas aujourd'hui, même dans les jours qui viennent, que non, la CENI puisse proclamer le vrai vainqueur qui est issu des urnes. Parce que nous ne voudrions pas que quelqu'un qui n'est pas élu, même les députés qui sont là, on ne dit pas tous les députés, les gens ont été élus, mais nous voudrions que non, le vrai vainqueur des élections puisse être proclamé dans un bref délai. Parce que ce qui s'est passé en 2018, vous avez vu Joseph Kabila prendre la CENI, s'en aller à Kingakati, partout dans les provinces. C'est ça que nous refusons. Nous avons proposé nos lois de réforme sur la CENI. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est anormal de voir les mêmes erreurs qui s'est passé dans les années passées revenir à fond. Donc nous disons, devant un dictateur, M. Joël, on ne négocie pas. Si ne pas prendre le Mési qui le mettre à côté, parce que nous avons vu Mobutu ici se comporter à Dieu. La fin, c'est la population va être lâchée. Donc nous mettons à garde tous les décideurs de la CENI, y compris l'UDPS, qui veulent à tout prix prendre la CENI étant comme leur bien privé, que la population est mature et puis la population n'est pas dupe, parce que la population en 2023 voudra à ce que non, sa vie quotidienne puisse être transformée au bonheur, parce que nous avons plusieurs richesses dans notre pays, mais le Congolais n'en profite pas, M. Joël. Parce que jusqu'à preuve du contraire, M. Tshilombo Félix, il lui reste au moins une année avec 6 mois. Et je ne passe pas avec quel miracle qu'il fera de sorte que non, la population dans la société. Bruno Mimbenga, nous sommes en train de parler de cette proposition de loi de Christophe Lutundula sur l'organisation, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Votre regroupement, la Mouka, a réagi. Adolphe Mouzito a tenu un point de presse le week-end. Il a fustigé avec la dernière énergie le vote de cette loi. J'aimerais quand même que nous puissions suivre Adolphe Mouzito, ce qu'il a dit au cours de cette conférence de presse. Comment est-ce que Mouzito a fustigé cette proposition de loi, et nous allons revenir juste après. En tant que coordonnateur de la Mouka, je suis accompagné du président élu, membre de la Mouka et du président. Je viens protester vigoureusement et rigoureusement devant vous, la presse, et à travers vous, devant le peuple congolais, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à savoir la manœuvre visant à adopter unilatéralement, sans minimum de consensus, sans consultation, une loi essentielle, celle qui organise la CENI, par laquelle le bonheur ou le malheur du peuple congolais peut arriver. C'est par cette CENI-là que les élections 2018 ont donné des résultats falsifiés que nous connaissons. Nous avons dit d'abord, dans la démarche de la Mouka, qu'on puisse recompter les voix, on ne nous a pas écoutés. Qu'on puisse reprendre les élections après un délai de réforme, on nous a écoutés. Nous avons dit très bien, le mal est arrivé, il devait arriver, malheureusement, malheur à ceux par qui le malheur est arrivé. Mais nous pourrons le positiver en disant, tiens, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, pour avoir lutté longtemps, peut-être qu'avec ce mal, ils feront le bien, à savoir qu'ils vont démocratiser. Nous avons dit, donnons la chance à ce peuple, en considérant qu'avec ce malheur, il pourra refonder l'État fort de cette triste expérience qu'il faut positiver. C'est pourquoi nous avons dit, la chance consistera à ce que cette fois-là, on tire des leçons en faisant des réformes qui permettent de corriger la configuration de la CENI, ainsi que des réformes concernant tout ce qui touche aux élections. Nous avons fait des propositions pour qui consistent à dépolitiser la CENI, qui consistent à la rendre neutre. Et les autres, non seulement ils n'ont pas pris en compte ces décisions, ces propositions, encore que pour nous, ces propositions n'étaient pas nécessairement les meilleures.
Une passion, c'était une idée, mais l'essentiel, c'est la forme qui consiste à consulter les autres, à discuter pour qu'on dégage une synthèse, pour que cette loi-là... C'est une loi pour des compétiteurs, ce n'est pas une loi pour la nation dans son ensemble de manière diffuse. Nous la voulons neutre, et les instruments qu'elle va utiliser, les acteurs aussi, soient neutres, et qui est en fait un dispositif qu'elle sous-tend, et qui permette que les élections soient apaisées, pour que, au moins, après les élections, que nous soyons ensemble, les uns dans l'opposition républicaine, les autres dans la majorité. Et pourquoi pas, les élections peuvent aussi nous réconcilier. Nous pouvons gagner ensemble. Mais ils ne veulent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions perdre tous. En tant qu'élite politique, oui, mais le peuple ne perdra pas. Voilà notre enseignement, nous disons, c'est pas tard. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Ils peuvent toujours se remettre en question et commencer les consultations. Ça prendra la forme qu'on voudra. De toute façon, les dictateurs, on ne négocie pas avec. Les dictateurs, on s'en débarrasse. Si nous demandons de discuter, c'est pour expérimenter, de sorte que si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, le peuple prendra ses responsabilités. Et puis, nous sommes en train de l'inviter à cet effort-là qui consiste à dire, c'est lui le souverain, il va s'approprier le processus. Et ceux qui ont, comme l'histoire nous l'enseigne, qui s'entêtent, qui défient le peuple, qui finissent par sortir par la petite porte. Bruno Mimbenga, apparemment, on a suivi Adolphe Mouzito en train d'insister sur la dépolitisation de la CENI. Mais fort malheureusement, son credo n'a pas été entendu, le credo de la Mouka. Ça fait partie également des propositions contenues, des points contenus dans la proposition de la Mouka. Malheureusement, la CENI revient entre les mains des politiques. Bien sûr, vous avez suivi son excellence Adolphe Mouzito dire tout ce tour. Il n'a pas marché ses mots. Nous avons cru que dans le mal, quelque chose de bon pouvait nous faire revenir. On les invite à revenir à la raison. S'il s'agit de travail pour l'intérêt suprême de la population. Nous sommes là pour travailler pour le terrain de la population, mais ces gens-là ne veulent pas. S'ils maintenaient leur décision, vous avez suivi son excellence Adolphe Mouzito dire que non, devant un dictateur, on ne négocie pas, on s'en débarrasse. Donc avec M. Chilombo, on ne pourra pas tous en négocier si pas aller de se débarrasser de lui, parce que la population congolaise, nous, comme l'excellence a dit, et comme je l'avais d'ailleurs dit aussi, on avait cru que dans le mal, quelque chose de bon pourra nous soit arrivé, mais par contre, nous avons vu les compétences et l'amateurisme de nos frères qui dirigent actuellement le pays. Nous tous, nous sommes ici, nous voyons comment que les choses se passent dans de très mauvaises conditions. Alors, nous, la Mouka, nous avons fait une sonnette à l'arbre pour veiller la population congolaise qui soit prête dans les jours à venir s'ils ne reviendront pas sur le droit chemin. Donc, ils vont trouver toutefois la population devant leur chemin parce que les choses que nous voudrions que la population puisse trouver son transport, sa vie puisse y être améliorée. Mais, fort dommage que la CENI revient toujours aux politiciens qui, d'ailleurs, ces politiciens, du jour au jour, ne travaillent pas pour l'intérêt de la population en général. Parce que nous, on avait proposé que la CENI soit dépolitisée, que nous puissions voir les nouvelles figures qui viendront toutefois animer cet appareil. Mais ça sera toujours des nouvelles figures. Parce que les membres de la CENI ne reviennent pas. Mais aujourd'hui, ça sera toujours des nouvelles figures. Nous croyons que non. La CENI, il n'est pas tard, M. Joël, que nos élus puissent revenir à la raison. S'ils maintiendraient leur décision, j'ose croire que non. Et dans les jours à venir, vous avez suivi le président, le véritable élu, Martin Fayulu, dire que non. Sur la population, c'est pas l'île de Pesce qui maintient le monopole de l'ARI. Et à ce moment-là, le mot d'ordre sera donné et la population congolaise en général, ceux qui sont à l'étranger et nous qui sommes ici à l'intérieur du pays, prendront les directives pour s'en débarrasser de M. Chilombo qui se comporte étant d'un petit dictateur parce que le pays veut le changement.
Le changement, là, mais c'est Adolphe, Fayoulou, mais là, Adolphe Mouzitou, les changements, c'est Bruno s'il Mbina, vous plaît. Et les changements, c'est l'Assemblée de la population congolaise. Adolphe Mouzitou, c'est un député national. Martin Fayoulou, c'est un député national. La coalition Lamouka a des députés nationaux, plutôt. Mais pourquoi ne pas aller avec cette proposition au niveau de l'Assemblée nationale, que ça soit débattu au niveau de l'Assemblée nationale? Vous êtes en train d'organiser, Adolphe Mouzitou et Martin Fayoulou sont en train d'organiser des conférences de presse, parce que les conférences de presse, ne peuvent pas résoudre ce problème. Pourquoi ne pas aller à l'Assemblée nationale, eux en tant qu'élus du peuple, pour aller débattre sur cette question, au lieu de faire des bruits, des vacarmes en dehors de l'Assemblée nationale? Monsieur Joël, quand vous dites que le président... Vous pouvez envoyer un président de la République, le vrai élu, aller... Mais il n'y a qu'un seul président de la République, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous pouvez envoyer un président élu par la population d'aller proposer au sein de l'Assemblée nationale, monsieur Joël. Ça, c'est quelle histoire? Martin Fayoulou qui ignore que non, c'est lui qui était le vrai élu du peuple, malgré la tricherie de monsieur Tshilombo avec Joseph Kabila. Donc vous ne pouvez pas envoyer un président élu valablement par la population d'aller devant l'Assemblée nationale pour ça. C'est, le combat c'est utopie, sur la vérité des urnes n'est pas encore terminé. Donc, monsieur Joël, vous continuez votre combat sur la vérité des urnes. Le combat des vérités des urnes, mais c'est une chose, c'est un bien de la population. Donc on ne pouvait pas se débarrasser des vérités des urnes tant que la population lui-même, en souffre. Lui-même, donc, Martin Fayoulou ne se réclame plus comme président élu, mais vous continuez toujours. Vous persistez avec cette vérité des urnes. Monsieur Joël, vous ne pouvez pas envoyer un président élu par la population d'aller proposer une loi. Mais Adolphe Mouzitou, c'est un député national. Non, l'excellence Adolphe Mouzitou, c'est un député national. Je ne passe pas. Je ne pense pas que ce que vous dites là, peut-être vous êtes acheté par l'UDPS et M. Tshilombo. Nous disons ceci, que nous, la population... Mais comment est-ce que vous pouvez me qualifier de la sorte? Parce que Adolphe Mouzitou n'a pas été élu? Parce que vous soutenez le pouvoir illégitime. Parce que s'il vous plaît, il ne faut pas faire des affirmations gratuites. Dites-moi, Adolphe Mouzitou n'a pas été élu député national. Adolphe Mouzitou travaille pour l'intérêt de la question population. Question-réponse. C'est une référence, je vous dis. Sinon, s'il vous plaît. C'est une école. La raison pour laquelle vous voyez à tout moment Adolphe Mouzitou se battre à côté de la population. Adolphe Mouzitou n'est pas député national. La population là qui est délaissée, qui est marginalisée. Mais pourquoi vous voulez éluder ma question? Je vous dis. Pourquoi vous voulez éluder ma question? Monsieur Joël, Adolphe Mouzitou travaille et toujours à proximité. Je vous pose la question. Donc vous ne pouvez s'il vous plaît, envoyer, s'il vous plaît, un élu comme étant président de la République, aller s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que Adolphe Mouzitou c'est un député national? Je vous dis ici, Monsieur Joël. Si, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Simplement à ma question. La question est très claire. Adolphe Mouzitou est là, l'attente de la population, il travaille pour la population. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ça la question. La réponse est très simple. Adolphe Mouzitou, c'est un député national. Il aurait dû. Adolphe Mouzitou travaille pour la population et il est là à l'écoute de sa population parce que dire que non, Adolphe Mouzitou... Mais il devait le faire à l'Assemblée nationale d'où il est élu. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est à l'Assemblée nationale. C'est plus ou même être étant élu du peuple. Mais un débat démocratique se fait au niveau de l'Assemblée nationale, pas dans la rue. Mais vous allez dire que non, Adolphe Mouzitou travaille dans la rue, je ne pense pas. Adolphe Mouzitou, c'est un homme de conviction et Adolphe Mouzitou, c'est une référence. Mais ce qu'il fait là, qui va l'entendre? Mais je n'ose croire que non, le message est passé. Si les dirigeants qui sont illégitimes prendront des risques, et la population va prendre... Vous avez d'abord estimé que votre proposition de loi sur la réforme de la CENI n'a pas été... Écoutée. Selon les autres, c'est tout simplement parce que Mouzitou étant député national, Fayoulou étant député national, n'ont pas amené cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, croyez-vous que ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, si ce n'est pas amené au niveau de l'Assemblée nationale, ça sera écouté et une solution sera trouvée? Je pense que non, M. Joël. Je suis très clair que non. La voix d'Adolphe Mouzitou et le président Élie Martin Fayoulou, le message s'est déjà passé. Et vous ne pouvez pas envoyer un président élu au sein de l'Assemblée nationale si pas que c'est ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Chers internautes de Léon Joléo, vous avez tous compris, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bruno Mbenga. Adolphe Mouzitou, Martin Fayoulou ne sont pas des députés nationaux.
Donc, ils n'ont pas été élus par la population. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit ils ont triché. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit que non, M. Joël, vous ne pouvez pas envoyer le président élu, Martin Fayulu, aller proposer devant le député. Non, le président, mais c'est un député, lui. Non, c'est le c'est un député. C'est lui le président élu. Bon, voilà. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. C'est le non-dit de vos propos. C'est le non-dit de vos propos. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Sabi Moulamba, est-ce que nous avons encore quelques secondes? On nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Le mot de la fin serait que non, la population congolaise en général doit se mettre aux aguets parce que le commandant, les soldats du peuple, Martin Fayulu, la personne dont vous avez élu massivement aux élections de 2018, donnera un mot d'ordre, y compris le coordonnateur de la Mouka, son excellence Adolphe Mouzito. Donc soyez prêts parce que le mot d'ordre dans quelques jours, dans quelques heures, vous sera donné parce que devant un dictateur, on ne négocie pas parce que nous avons cru que dans les malheurs, quelque chose de bon pourrait tout faire. Arrivé, mais nous avons compris la mauvaise volonté de M. Tshilombo qui veulent à tout prix faire les choses, pas comme la population congolaise avait voulu, mais si pas se maintenir au pouvoir. Alors, dans les prochains jours, M. Tshilombo, y compris les dirigeants et les gouvernements illégitimes, nous serons dans la rue pour manifester notre mécontentement parce que la CENI, nous voulons que ça se puisse passer, la CENI puisse jouer avec beaucoup d'indépendance. Alors, nous sommes là, il y a encore un grand temps pour nos frères qui dirigent l'appareil de la CENI, y compris le gouvernement. Nous sommes là ouverts à toute négociation parce que nous ne pouvons pas prendre la population au risque de leur vie parce que du jour au jour, nous voyons la population congolaise mourir. Vous êtes ouverts à toute négociation avec ces gens-là que vous qualifiez d'illégitimes. Mais bien sûr, parce que... Vous voulez vous faire également illégitime, vous. S'il s'agit de... Donc, tous les bruits que vous êtes en train de faire, c'est pour chercher une négociation. Mais c'est Joël, s'il s'agit pour l'intérêt de la population congolaise, nous sommes ouverts pour... Mais vous avez suivi... Mais s'il s'agit de... Est-ce que vous avez suivi ce gouvernement que vous qualifiez d'illégitime, ce président que vous qualifiez d'illégitime? Vous avez suivi les réserves d'échange ont presque triplé. Nous avons quitté de 500 millions de dollars à environ 2 milliards. Il faut quand même féliciter le gouvernement. De nos frères de l'UDPS qui veulent à tout prix inverter les choses. Est-ce que vous êtes passé à la banque centrale? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, je crois que non, la loi... Mais ça devait être le travail de vous en tant qu'opposant. Ce sont des imaginations pour nous, c'est du réalisme, parce que juste après, du contraire, la vie des Congolais ne bouge pas, ne change pas, c'est resté statique comme c'était auparavant. Donc, s'il peut dégrader d'ailleurs, si je peux dire. Et j'allais profiter à dire que non, la proposition de la loi de M. Noël Tshiani vient aussi de nous aider parce que M. Tshilombo est issu d'un père congolais et puis d'une maman qui est de la nationalité. Oh, quel genre d'affirmation. M. Noël Tshiani vient d'ailleurs transformer cette affaire parce que Tshilombo ne sera pas... Quel aussi, genre d'affirmation M. Tshilombo ne sera pas aussi candidat aux élections. De ça, ce sont des affirmations gratuites. Vous en avez des preuves. Je crois que non, si vous avez suivi l'émission dont M. Tshilombo a tenu avec votre confrère journaliste Jean-Marie Kassamba, affirma que sa maman est de la nationalité angolaise. Donc, c'est la preuve suffisante que non, Tshilombo sera écarté. Vous avez des preuves. Je vous confirme maintenant que non, M. Tshilombo sera écarté parce que cette loi-là aussi vient de dire les Congolais parce que M. Tshilombo ne fera pas parmi les candidats aux prochaines élections de 2023 si pas nous les véritables Congolais, nous les véritables natifs issus de pères congolais et de mères congolaises. Nous donc la maman de Félix Tshisekedi, c'est une Angolaise selon Bruno Mimbenga. Là, vous allez demander à M. Félix qui avait confirmé dans les chiens de la place. Merci donc, beaucoup. Le dernier mot est que la population congolaise, mettez-vous prêt parce que le mot d'ordre sera donné d'ici là. Et puis, nous serons dans la rue. Mais si pas, avant d'entamer la rue, nous serons ouverts à toutes les négociations au profit de la population congolaise. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et puis, on nous dit que de...
compétences et puis l'amateurisme qui bat son plein. On ne vient pas faire du bricolage ni les stages au sommet de l'État, M. Joël. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Thierry Batondoko, merci à vous qui étiez au cadrage. Fiston Yankole à la réalisation. Sabi Moulamba était dans la partie technique. Un grand merci à Bijou Maïkani qui a également supervisé cette émission. Christelle Massala, pourquoi pas, à tous les amis qui sont du côté de la partie est de la République démocratique du Congo, les correspondants de Léon Djoléo. Sans oublier Odon Boulamba, la cheville ouvrière de cette entreprise qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande. Un grand merci à vous, chers internautes, parce que vous avez été très nombreux à nous suivre. Veuillez nous laisser vos commentaires, veuillez nous laisser vos suggestions pour nous permettre d'améliorer notre qualité de travail. Merci, nous sommes arrivés à la fin et on se retrouve à la prochaine.